Provigo, écoute, chez Provigo, le bœuf haché, la semaine passée, tu as du bœuf haché, mais là, cette semaine, tu as du bœuf haché extra maigre. OK, super. À 3,88 la livre, ou si tu préfères 8,55 le kilo, ça pour l'extra maigre, c'est parfait. Là. Moi, j'adore ça. Tu fais un orzo avec ça. Un petit, vraiment, là, parce que quand tu fais un orzo avec du mi-maigre ou du maigre, souvent, ça vient gras, c'est plus gras. Tandis que l'extra maigre, moi, j'aime bien ça, là, parce que là, tu as les légumes, tu as tout, là, pour donner du goût et du jus. Tu n'as pas besoin du gras là, de ton bœuf haché. Fait que l'extra maigre, c'est super. Fait que je vérifie qu'il est vraiment extra maigre, mais c'est là qu'il l'a. Puis toi aussi, tu peux bacon. Tu bacon sans nom. Oh, qu'est-ce que tu veux faire? Un coup dans l'assiette, là, ça paraît plus partout. Surtout qu'à ce prix-là, le 3,88, 500 grammes de bacon. Ça va faire des bons petits déjeuners, ça c'est certain, certain. Aussi, chez Provigo, ben les côtes levées. Ben oui, les côtes levées préparées. Tantôt, on a dit qu'il avait préparé les Saint-Hubert chez Maxi à combien, je t'ai dit? À 6,88. Là, tu as les bâtons rouges à 7,99. Hein? Donc, c'est des recettes différentes. Ça reste toujours des côtes levées de dos. Mais c'est sûr que chaque compagnie a sa petite recette. Puis bon, si tu les as toutes goûtées, c'est sûr que tu as mené, il y en a une que tu préfères plus qu'une autre. Bon, je ne sais pas si c'est laquelle que tu aimes toi, là. Mais je peux te dire que bâton rouge, 7,99 chez Provigo, ça a bien du bon sens parce que ça vaut cher, ça, des maudites côtes levées comme ça. Aussi, chez Provigo, ben les cuisses de poulet, écoute. Cuisse de poulet, c'est la seule place qu'il a toute entière, là, avec la peau, l'os et tout. Là. C'est ce que j'ai mangé hier soir d'ailleurs. Moi, je l'ai payé 99 cents la semaine passée. Mais cette semaine, il va être 1,29. 1,29 la livre. En passant, c'était 99 cents, c'est pas la semaine passée, c'est là 2 semaines. Mais moi, j'ai profité d'un bon rédifféré. J'ai encore payé 10% de moins cher que ça, tu comprends quand même. Mais là, tu l'as quand même à 1,29 la livre, hein, ou 2,24 le kilo pour une cuisse de poulet. C'est vraiment bien, bien, ça a bien du bon sens. C'est ça que tu cherches à manger. C'est là qu'il a le moins cher. C'est chez Provigo cette semaine pour ce qui est des cuisses de poulet. OK? Facile à faire. Aussi, chez Provigo, ben, regardons ça, tu es des noix de cajou, des cachous. Cachou à 2,99 avec 200 grammes, je te l'ai dit tantôt, de 8,99 la canne, c'est pas achetable. Là, à 3$ la canne, ça a bien de l'allure. Puis tu l'as aussi chez Maxi, comme je t'ai dit tantôt. Donc, Maxi ou Provigo, hein, on a les noix de cajou, mais en plus, je sais pas chez Maxi, c'est pas marqué sur ce qu'il a, il marque juste noix de cajou, mais pour ce qui est de chez Provigo, il marque des amandes. Ça, les amandes, par exemple, là c'est une coche pour la santé. Là. Si on mangerait juste 22 amandes, par jour, ok, c'est pour 22 amandes, c'est une vingtaine de grammes, là, ok, par jour, on obtient des aliments, des suppléments d'aliments qu'on retrouve pas dans beaucoup d'aliments. Tu sais, comme je t'ai déjà dit, c'est pas ce qu'on mange qui est le problème, c'est ce qu'on mange pas. Il y a des vitamines, des protéines, des enzymes, plein de choses dans chacun des aliments, puis ils reviennent souvent dans chacun des aliments, tu sais, une vitamine C, là, dans ben, des fruits et légumes, par exemple. Mais dans les amandes, il y a vraiment là, des choses qui sont fantastiques. Fait que vérifie ça parce que ça vaut la peine d'en avoir. Puis dans une salade, c'est super bon aussi. Puis comme ça, devant TV, c'est sûr, ça se mange comme des cachous. Mais moins que des cachous parce que les cachous, là, c'est trop. Écoute, ben c'est ça ce qui est ça pour chez Provigo, tu sais, là, les noix de cajou et chez Maxi, là, c'est là qui sont les vraiment spéciales cette semaine. Fait que on sait où aller, OK? Aussi, ben écoute, c'est ça que je suis là, mais c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine du 30 janvier au 5 février. Wow! Écoute, vas-y voir, hein? Donne-moi un petit j'aime, va voir la liste de papa papote, fais-moi un commentaire surtout, puis partage ça pour que le plus de monde possible voit la liste de papa papote, parce que c'est un must, hein? T'es au Québec, c'est sûr que ça vaut la peine de regarder la liste de papa papote pour faire des grosses économies. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée. Une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.